Abou Dia, jeune peintre ivoirien, est une des révélations de la peinture contemporaine. Il s'est fait connaître dans son pays après avoir peint la crise politico-militaire de 2011 qui a fait quelques 3000 morts en Côte d'Ivoire. Une peinture nouvelle et originale qui s'inspire des graffitis urbains. Je définis ma peinture comme étant une peinture nouchée, une peinture de la rue. Ce qui m'inspire dans mes peintures, c'est la vie de tous ces enfants qui traînent dans la rue. Voilà, qui ne savent pas que faire, qui n'ont pas eu d'éducation. Des enfants qu'il aide en retour par le biais d'ateliers de création ouverts dans les écoles d'Abidjan. C'est un papier, non? Là? Oui, c'est un papier. Ok, que tu as découpé et que tu as collé sur le support qui était tout blanc. Donc tu as fait une composition. Après les ateliers, sont organisées des expositions des travaux des élèves. Ici, à l'Institut germanique Goethe, le vernissage fait salle comble. Un succès qui est devenu récurrent pour Abou Dia, qui expose aux États-Unis et en Europe, notamment dans la célèbre galerie Saatchi de Londres. Le professeur Yacouba Konaté est le premier à lui avoir donné sa chance. Lui, il montrait Abidjan tel que ça se dévoile dans les quartiers plus ou moins chauds. Et c'est ça que j'ai trouvé. C'était une peinture contemporaine et c'était un peintre qui était à l'écoute de son temps. Malgré la notoriété, Abou Dia vit toujours à Abidjan et continue de peindre dans son modeste atelier de Cocody.